salon, il est vide. Du coup, on va faire un petit challenge. Regardez, il y a des cartons ici et ici, les grands cartons. N'hésitez pas à deviner en commentaire qu'est-ce qu'on fait. On voulait 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Du coup, oui, vous avez deviné, on va construire des maisons en carton. Et maintenant, n'hésitez pas à liker la vidéo et on commence. Donc on va faire chacune une maison, on va construire une maison en carton. Il y en aura une qui aura 50 minutes pour la faire et l'autre 100 minutes pour la faire aussi. Du coup là on doit faire Shifumi, celle qui gagne le Shifumi va faire 100 minutes. J'espère que je vais avoir 100 minutes, comme ça je pourrai faire une plus belle maison. Attends. Ok, moi pareil. Shifumi. Ben voilà, tu fais 100 minutes. C'est vrai, tu fais 100 minutes du coup. J'ai gagné les 100 minutes. Du coup, je vais avoir plus de temps pour le faire. Et moi, j'ai gagné que 50 minutes en espérant que ma maison sera belle. De base, je voulais d'abord dessiner pour déterminer quelle maison je vais vraiment faire. Mais vu que j'ai pas assez de temps, je vais déjà la commencer. Donc, je mets 50 minutes. Et 3, 2, 1, go. Donc, je vais commencer à mettre un mur ici. Là aussi. Jusqu'ici, voilà. Il y aura peut-être une fenêtre et une porte ici. Bon, je vais me dépêcher parce que j'ai pas assez de temps. Daniel a créé une maison pour Rocky, mais là, je suis obligée de le détruire pour faire la mienne. Désolée, Rocky, tu es dans une autre maison plus grande. Du coup, je vais mettre le minuteur de 1h40. Ça fait 100 minutes. Hop là. Et là je vais du coup dessiner la maison que je vais faire en carton. Bref, en gros c'est comme ça. Elle va être longue. Là ça va être le toit. Comme ça. Ici on va descendre. Hop là. Du coup ça sera le devant. Juste ici ça sera un peu plus long. Du coup mon toit ça sera plat. Regardez, c'est ça à peu près. Ici je vais faire deux fenêtres comme ça. Ici en face de l'autre côté, genre ici là, on va dire, je vais faire une porte. Du coup ça va être comme ça, de dehors. Donc ici il y aura la porte, voilà. Je suis en train de faire mes murs. Regardez, ici j'ai fait un poteau avec ces cartons, voilà. Et du coup, ben, je vais les mettre au coin de la maison. Comme ça, après, je pourrais coller le mur, le plafond, les autres murs. Donc, c'est comme ça, en fait. Oui, je le plie. Vu que mes boîtes ils bougent beaucoup, je vais scotcher. J'ai dû casser le mur vu que les boîtes bougeaient beaucoup et je vais scotcher entre eux. Je suis en train de faire des essais d'abord. En fait ça va pas tenir en haut. Je suis obligée de mettre des poteaux au milieu. Sinon sans ces deux poteaux ça tombe parce que ici ça plie, ça se plie en fait. Donc voilà, j'ai scotché tout le bas, maintenant je vais faire le haut. Il me reste plus que 30 minutes. Donc faut que je me dépêche.
Donc là j'ai laissé deux espaces pour faire mes fenêtres. On va passer à la quatrième couche. Je pense qu'encore deux et après ça sera ma taille. Là, ici il faut que je scotche. Hop là. Alors j'ai déjà la moitié d'un mur, du coup j'ai décidé de ne pas coller mais de faire avec des vis, avec le tournevis. Regardez comment j'ai fait pour l'instant. J'ai fait là, j'ai fait là, j'ai fait là, et en bas, au milieu, voilà. Hop là. Je vais mettre un autre carton après ici, mais ici il y aura une porte et ici une fenêtre. Sur le dessin, j'avais dit que la porte serait sur le côté, mais au final j'ai changé, je vais le mettre ici. Alors Amélia, t'es fatiguée? J'arrive pas, je sais pas comment faire la fenêtre. Bah après il faut continuer. Et là tu scotches. Alors je sais pas du tout ça sera quoi le résultat, j'espère que ça va bien marcher avec les clous, que ça va pas tomber, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Et aussi j'aimerais bien faire un 24 heures dans nos maisons, Amélia dans sa maison et moi dans ma maison, donc n'hésitez pas à nous mettre beaucoup de likes et nous dire en commentaire. Voilà. Pourquoi c'est passé lui? Il me manque plus qu'à faire mes deux fenêtres et la porte. Et après j'ai fini et j'ai pas assez de temps donc faut que je me dépêche. J'ai coupé du carton comme ça pour le mettre en haut sur mes deux fenêtres et la porte. Donc je vais tout scotcher. Donc cette taille ça me va et maintenant il y aura le toit. Alors j'ai réfléchi, au final j'ai fait la porte ici, je trouve que c'est mieux. Ih, le scotch! Voilà, il s'est collé. Et je mets depuis alors le scotch ici comme ça, pour pas que ça tombe. Hop là, moi ça fait déjà quelques, on va dire 30 minutes que je suis en train de faire ça. Et Amélia elle a bientôt fini. Juste la porte bah, elle est très basse mais c'est pas grave. On va faire comme ça et on va rentrer. Voilà. Ici je dois remettre du carton là aussi et après je peux mettre le plafond et faire les fenêtres et voilà ça sera fini. Et en vrai je trouve ça inutile juste de construire la maison après de rien faire. Donc si vous voulez qu'on fasse ça 24 heures Amélia dans sa maison, moi dans ma maison, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et à de liker cette vidéo. Je vais aller voir qu'est-ce qu'Amélia a fait. Amélia, t'as dit qu'il te reste combien de minutes? Parce qu'il te manque le pas à fond, je sais pas si tu vas faire une porte. Mais en vrai ça va hein. Ça bouge. Non en vrai c'est bien. Je vais faire tomber, logique, je vais pas la finir. Hein. En vrai c'est bien. Bon, je pars. Bref, je te laisse. Comme ça, ça sera une surprise pour moi. Ah, t'avais fait deux fenêtres. Oh. Parce que j'ai mis le assez les hauteurs 0. Je suis en train de mesurer si c'est assez pour ma taille. Bon après c'était pas compliqué vu que je suis petite en taille. J'ai entendu que Elina voulait faire 24 heures dans la cabane. Et moi aussi j'aimerais bien passer 24 heures dans ma cabane. Donc s'il vous plaît mettez 30 000 likes et on fera 24 heures dans nos cabanes chacune. Et voilà ma maison, je l'ai fini. Alors il me restait une minute, j'ai eu de la chance, je me suis dépêchée. Voilà le plafond, j'ai mis du scotch parce que ça pend un petit peu. C'est pas très beau, mais au moins j'ai géré pour 50 minutes. J'adore le résultat. Et en plus c'est à ma taille. Et maintenant j'ai déjà un invité. Comme je disais, il aura une maison plus grande qu'avant. Donc au début je voulais faire des fenêtres avec comme d'habitude quand on est une maison en carton, des fois on fait ça. Mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai pas voulu le faire pour perdre trop de temps. Et voilà, je suis assez fière du résultat. Et maintenant, on va attendre qu'Elina ait fini sa cabane. Voici ma maison, là, il y a la porte. Et il me manque juste à faire là, les fenêtres et le plafond. Donc là, je suis en train de scotcher le plafond.
faut que je fasse les fenêtres. Donc il me reste 10 minutes pour faire les fenêtres. Ma maison est prête. Donc voici les deux fenêtres que j'ai fait. J'aime beaucoup comment j'ai fait en fait. Ils sont assez grands et tout, ça laisse rentrer de la lumière dans ma maison. Et venez. Donc là il y a la porte d'entrée. Hop là. Pour le 24h, bien sûr, on va décorer. On va mettre peut-être des meubles en carton. On va mettre plein de plaids, des coussins, etc. pour faire le 24h. Et j'avais une question pour vous. Est-ce que vous préférez qu'on mette des... pour le 24h, qu'on mette des meubles en carton ou qu'on les achète? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voici ma maison. En vrai elle est grande, j'aime beaucoup. Du coup comment je visualise ma maison, ici je pourrais mettre un lit. J'ai pas besoin de salon, je peux... salon, canapé, je pourrais utiliser mon lit comme canapé. Ici je pourrais mettre un petit meuble avec un iPad ou un ordinateur. Et ici une petite cuisine. Je pourrais même faire peut-être un jardin devant ma maison d'entrée et vers mes fenêtres là-bas. Je trouve qu'elle est super grande, en plus elle tient avec un poteau, c'est trop bien, genre c'est vraiment stable. Amelia m'a invité dans sa maison donc j'y vais. Entrée, j'ai fait un petit style, t'as vu? Ouais, j'aime bien, ça va. Par contre, pas ma taille, hein. Ouais, mais c'est ma taille avec mes 1m53 parce que je suis trop petite. Je suis obligée de me baisser, hein. Et tu vas mettre où ton lit si on fait 24h ou la cuisine ou le salon? Ben la cuisine ce sera là. Mon lit sera vers là. Devant la porte d'entrée. Ok. Non, la cuisine sera là, mon lit sera là. Bon après il faut encore réfléchir. Ok. Bon on va venir voir ma maison parce qu'elle est un peu plus grande ici, c'est pas trop ça. Donc regarde. Entre. Ça c'est ma porte d'entrée, elle est grande. Petite. Elle est grande. Alors. Même là tu te baisses. J'ai rien dit. Du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle maison vous préférez pour vivre. Genre imaginez, on vous met au milieu de ces deux maisons et on vous dit choisis une maison pour vivre 24h. Vous choisissez laquelle? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et aussi n'oubliez pas de nous mettre 30 000 likes pour faire le 24h dans nos cabanes. Et on fait des gros bisous. Bye bye. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bonne fin de vacances.